Par un froid matin de printemps, deux urbaniens partirent en pèlerinage sur les traces du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. À bord de leur voiture, Catherine et Gabriel, avides d'aventure, prirent la route en direction de l'Université Harvard, où vécut le plus jeune milliardaire de l'humanité. Qui n'a jamais rêvé de voir le campus où a étudié le père du réseau social le plus populaire du monde? Le pays des Bill Gates, Barack Obama et André Boisclair. Qui n'a jamais souhaité marcher dans ses pas? Jouer au frisbee avec des membres de sa fraternité, manger une pointe de pizza dans son restaurant préféré, porter son coton ouaté, ou d'uriner là où il a uriné. Mais par-dessus tout, qui n'a jamais éprouvé le désir de visiter l'humble chambre où il a donné naissance à la première version de Facebook, religion qui a converti à ce jour plus de 6 millions de disciples. Après avoir parcouru 508 km de route, défié des dizaines de gardiens de sécurité, escaladé une trentaine de marches d'escalier, réussiront-ils à immortaliser cette pièce où il a jeté les bases de son empire 2.0? Découvriront-ils ce qui se cache derrière la porte H31? C'est ce que nous saurons dans le prochain numéro d'Urbania.